Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver. Nous y sommes, l'événement de Rio. Bonjour à tous, bienvenue pour cet événement. Eh bien, comme vous le pouvez constater, nous sommes déjà prêts au départ. Donc on va mettre un tout petit peu plus de carburant parce que j'ai vu que tout à l'heure sur le panneau central du carburant, on était un peu trop juste. Donc voilà, 7 fuel tanks. Et donc bah là, c'est parfait. Là, ça me plaît plus. Donc on a dit au niveau des performances on est bien. Donc c'est un vol qui va se passer donc entre Grande Canaria, entre Rio pardon et Grande Canaria, et demain ça sera l'inverse, Grande Canaria Dublin, pour rentrer en Europe. Et donc il y a la delivery sur 121 décimal 0. On va aller le contacter tout de suite et c'est parti. Your delivery, hello, good morning. This is Speedbird 1787. Request a fare across to Grand Canaria. This is Speedbird 1787 with Houston 14. Request a fare across to Grand Canaria. The aircraft is calling Galleon Ground, again sir, your call sign, please. Speedboat 1787, Bravo Alpha Whiskey 1787. Oh, Speedbird 1787, sorry sir. Good morning, Captain. Galleon now is with active runway 15, Canadius 1012. Your flight plan is received, standby for clearance, Speedbird 1787. Speedbird 1787, we stand by for the clearance in QNH 1010. Thank you for that. 10-1-1-5 for departure. Thank you. Top 070. No, negative, sir. I'm contacting Speedbird 1787. Speedbird 1787, go ahead, pass your message. Speedbird 1787, you are cleared IFR to go free Charlie Lima Papa on a flight level 370 as filed. Your departure is Papa Charlie X-ray 1 Alpha. With a 2 transition and squawk is at 3627. Read back 1787. Okay, Speedbird 1787, we're cleared through Golf Charlie Lima Papa via Papa Charlie X-ray 1 Alpha departure, runway 15, QNH 1010. Let's say again for the squawk code, Speedbird 1787. Squawk is at 3627. Read back just the squawk, Speedbird 1787. 3627, okay, Roger. That's right, sir, and reportman ready to start and push back. 1787. Speedbird 1787, because you were ready for push and start. Thank you. Let's start. Thank you. Speedbird 1787, say again, sir. Speedbird 1787, ready for push and start. 1787, you're clear to start and push tail to the left side. Report ready to taxi facing north. 1787. Roger, we pushing back facing north and we are going to the left side and we have got on chart on board. Thank you, bye. Go ahead from cockpit. Parfait. Clear to start engines. Roger, clear to start engines. Allez. Start both engines. On est parti. On va faire les checklists qui vont bien sur cet avion, parce qu'il faut les faire, c'est obligatoire, avant toute chose. Et donc, je vais faire confiance à Ségolène durant tout ce vol, qui modérera donc vos commentaires et vos messages pour ceux qui arrivent directement sur le live. Donc je lui fais entièrement confiance, bien entendu, sur ce live. Good morning, Captain Domingos Alves. Welcome to Galleon. You are cleared to start and push. C'est bien parce que le gars il appelle par les prénoms, par les noms, c'est cool. C'est ça que j'aime bien à Rio, c'est qu'ils sont super cool. To the right side, par mon nom, c'est super bien. Donc, push start, électricité, c'est mon passenger sign is on. On va s'arrêter de repousser. On va mettre le frein de parc et passager sur on. Oui. Ensuite, des et donc. South Africa 78, this is Galleon Ground. I asked Galleon traffic to contact you, sir. Just make me let me know
if you are not able to contact him still, okay? 7-8. Eh ben on est d'accord, on est parfait, on va pouvoir rouler. Well, this is Speedboat 1787, ready to taxi. Speedboat 1787, you're clear to taxi via taxi set Lima 1, Mike, Bravo and Alpha. Report holding short runway 15, 1787. Et Bravo. Alors pourquoi il avance? Ok, we taxing to Lima 1, Mike and Bravo Alpha, report runway 15. Voo 7700 no ponto de espera da 15 atrás do Antonov. Correto, 7700, chame agora Torre Galeão em 1-18-201, excelente, voo até a próxima, 7700. Grato, Torre 1820, dia cheio hoje em cima, boa tarde. Assim que é bom. Galeão Ground, good morning, watch a tree, Romeo. Allez, on va former la tour. Tower Speedboat 1787, we line up and wait behind traffic now. Roger, line up and maintain 1787. Roger, we line up and meeting 15. Okay, up. Lima Oscar Lima 1, radar contact is crossing now 5000 feet. Switch to reapproach on frequency 119.0, have a good flight. Houston. Front Park, on prépare la prochaine qui est sur 119, décimal 0. Tor, muito bom dia, Portugal 074, runway 15. Portugal 074, good day. Maintain position. After takeoff, aircraft and throttle fuel. Clear that line up and maintain. Hold position behind the speedbird departing line up runway 15, Portugal 015, correction 074. Roger, 074. Alors il pleut, bien entendu, la visibilité après décollage ne sera pas la même, hein, donc bien entendu. Et pour l'instant ça se passe bien, donc vous voyez en direct notre alignement sur la piste 15, donc Rio est à Grand Aéroport, et donc normalement, je vous ai dit donc tout à l'heure, notre arrivée, je vais vous la communiquer dans un instant, notre arrivée est prévue aux alentours de 20h18, a priori, ça ce n'est qu'une heure provisoire. 1787, clear at takeoff runway 15, wind 060 at 04 knots, altimeter 1012, have a good takeoff. We clear takeoff 15, speedboat 1787, thank you. Allez, on est autorisé au décollage. Allez, takeoff. Post 7. Portugal 0704. With that line up and maintain runway 15. 80 knots, check. Runway 15, Portugal 074. If you prefer, we can speak in Portuguese. We prefer English. Thank you. Doesn't matter. V1 rotates. Positive climb, gear up. One 787, radar contact crossing now 5,000 feet. Switch to reapproach on frequency 119.0, have a good flight. Autopilot on. Contact approach 119.0, bye bye. Bye bye. Approach, good morning, Speedboat 1787. Speedboat 1787, good morning, reapproach. Your contact radar contact at the departure. Climb to flight level 100 and fly direct to Chisva intersection. Bien, alors j'en profite donc pendant la durée donc du vol et donc du trajet pour vous adresser un petit message à vous tous. Alors vous avez vu donc récemment donc les présentations que j'ai sorties, donc Rio Grande Canaria et Grande Canaria
Dublin. Alors, je voudrais un petit peu répondre un petit peu aux haters et répondre aux gens qui racontent du grand n'importe quoi et qui n'écoutent pas. Ça, c'est le problème des Français qui n'écoutent pas quand on leur parle et on est obligé de leur répéter 15 000 fois les mêmes choses pour que ça soit bien ancré dans les têtes. Alors, très clair. La première. Ces dernières 24 heures, vous avez vu que 5 boîtes mail voulaient donc foutre le bordel et donc voulaient en quelque sorte un temps soit peu vouloir régler des comptes avec les uns et les autres. Et donc ces boîtes mail faisaient du hameçonnage, du spam, des chantages, des menaces, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça a été la même chose il y a plusieurs mois. On sait que ça vient d'une certaine personne au nom de P. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Je ne vais pas donner son nom en entier parce que sinon, cette personne signalera toute la vidéo et je n'ai pas envie de lui donner gain de cause. Cette personne fait n'importe quoi sur Rocket League ainsi que sur le service Epic Games. Donc, je pense que cette personne se reconnaîtra. Ensuite, comme j'ai pu l'entendre, soi-disant, les gens reprochent le fait que j'ai pris donc des mesures drastiques et exceptionnelles sur le fait que j'ai donc contacté Microsoft et donc des entreprises pour faire suspendre pas mal de personnes avec pas mal de centres d'intérêt et dont je me suis permis de prendre ces mesures drastiques puisque certains youtubeurs ne le font pas comme ChrisFX ou comme plein d'autres et donc j'ai décidé de prendre ces mesures qui ont été plus que drastiques. Alors ces mesures, quelles sont-elles ? Sur le serveur, on a décidé de rajouter en plus sur le serveur FTNL qui est un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui surveille les raids. Alors, on est un petit peu au courant que sur certains Discord, il y a des raids qui sont possibles. Malheureusement, il y en a pour beaucoup qui n'écoutent pas quand on leur parle, il y en a pour beaucoup qui pensent tout savoir, et il y en a pour beaucoup qui me disent « Ah mais oui, mais pourquoi tu prends des mesures ? C'est toi qui a mis de la haine sur ta chaîne ?» Pas du tout. Ces mesures, elles sont prises pourquoi ? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que ces haters veulent s'introduire sur la chaîne et veulent avoir la mamie sur la chaîne. Il en est hors de question. Il en est hors de question et je maintiens mes propos. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, j'ai ma propre chaîne avec les personnes qui me suivent. J'ai le compte Instagram qui est géré en supplément de la chaîne. Et j'ai enfin, pour terminer, le compte Snapchat qui est géré par la chaîne. C'est-à-dire qu'on a trois comptes. Et ces dernières 24 heures, donc un serveur externe au mien que je suivais pour les compétitions sur FIFA 21 ainsi que sur ETS2. Donc ceux qui le connaissent, le jeu Euro Truck Simulator 2. Ce qui s'est passé, c'est que une personne au nom de P s'est permis donc de raid leur serveur et donc de changer le nom donc de ce serveur et de marquer donc act by. Enfin, vous connaissez comment fonctionnent ces personnes qui sont bêtes, inhumaines et qui ne comprennent rien à rien en informatique. Alors, bien entendu, de ce serveur, j'ai été banni. Je n'apprécie pas du tout le fait. Je n'apprécie pas du tout être jugé comme un malpropre. C'est là où on voit que la France fait n'importe quoi, c'est là où on voit qu'on est complètement à la ramasse, mais quand je dis à la ramasse technologiquement, c'est à la ramasse. On n'est pas capable d'écouter quand on vous parle français, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, très clairement, on vous dit respectez les règles par rapport au Covid, respectez les règles sur Vatsim, respectez les règles sur Ivaro, lisez les CGU de Discord, lisez les CGU de Vatsim, lisez les CGU d'Ivao, etc., etc. Vous voulez pas les lire. Et après, vous vous étonnez que vous vous faites allumer. Mais c'est normal, en fait. À un moment donné, les gens, je ne sais pas si vous êtes mature ou complètement immature, mais à un moment donné, moi, je n'ai fait qu'expliquer hier que, si il fallait en arriver, parce que je sais que c'est illégal, bien entendu, à raid un serveur au nom de paix, je le ferais. Et ça, sans problème. Et je le dis, aujourd'hui, je me sens pas mieux que les autres. Il n'est pas là, le sujet. Le sujet, il est qu'à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de l'assistanat. Il y en a marre d'avoir des gens qui font n'importe quoi en aéronautique. Marre des gens qui ne lisent pas les règles et ce sont toujours les mêmes qui payent pour les autres. Et donc, ce sont toujours les mêmes qui payent pour les autres et qui se retrouvent bannis des serveurs. Alors moi, il en est hors de question. Maintenant, on a décidé de prendre des mesures drastiques, puisque
Maintenant, on sait comment on peut fonctionner avec les entreprises. Hein, on peut fonctionner avec IVAO. Alors, bien entendu, IVAO, le problème, c'est qu'il y en a pour beaucoup qui font, on va dire, des placements de produits et qui font des conflits d'intérêts. Et pour certains, en fait, on se rend compte que quoi ? On se rend compte que, à ce jour, on se rend compte que ces personnes font n'importe quoi au niveau des règles. C'est-à-dire qu'elles font leurs propres règles et qu'elles ne lisent pas les règles. Tu sais, vous savez, c'est comme une entreprise, vous avez des règles. Et bien, les règles, il faut les suivre. Et les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde, vous êtes logé à la même enseigne. Alors, pour les gens qui me disent, oui, mais on lit les règles, c'est toi qui fais n'importe quoi, non, non. Non, non, c'est ces haters qui font n'importe quoi et c'est ces haters qui posent problème sur les autres chaînes comme Chris FX, des chaînes d'aéronautique et plein d'autres. Donc nous, on a décidé de renforcer notre sécurité et de prendre de nouvelles mesures contraignantes avec l'installation du serveur FTNL. C'est-à-dire qu'en quatre étapes, je vais vous les décrire. La première étape est l'authentification à deux facteurs, A2F. La deuxième, c'est la vérification par mail qui est faite donc par Discord. Donc ça, c'est déjà la deuxième étape. La troisième étape, vous allez arriver sur mon serveur, vous allez être obligé de vous authentifier une première fois. Vous allez recevoir deux messages. Le premier de Red Protect, qui va vous demander donc la vérification à 2F, donc la vérification avec votre numéro de téléphone et bien entendu le CAPTCHA. Et vous allez recevoir un deuxième message du serveur FTNL en privé qui va vous demander de rentrer un code. Tout ça en l'espace de 5 minutes. Autant vous dire que c'est mission impossible pour les haters. C'est pour ça qu'on a décidé encore plus de verrouiller la vis et de serrer encore notre sécurité. J'en suis désolé, on est obligé d'en arriver à là, mais c'est comme ça. On ne peut qu'avoir la paix en vissant les vis. C'est-à-dire que... je comprends un peu mieux pourquoi on est obligé de vous répéter 15 000 fois les mêmes choses et 15 000 fois les règles, parce que certains ne les lisent pas ou ne les comprennent pas ou ne veulent pas les appliquer. Je peux comprendre que des fois il y a des mesures qui sont contraignantes par rapport au Covid et que ceci et que cela, je peux le comprendre, que ça soit long, je peux le comprendre, mais juste respecter ces putains de règles. Si tout le monde fait ça, on s'en sortira. Vous voulez pas les appliquer, on s'en sortira pas. Et ça va continuer comme ça éternellement. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Les gars, respectez ces putains de règles. Respectez-les. Enfin, j'aurais terminé sur ce point. Parce que j'ai entendu dire d'énormes âneries, d'énormes conneries à la minute. Parce que donc le serveur qui a été raid, il faut savoir. Que on me dit, ah mais est-ce que c'est pas un différent d'argent? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Déjà, il n'y a pas de différent d'argent. Il n'y a pas de micmac en ce genre, et moi je ne fais pas ce micmac. D'accord? Donc ceux qui sont là à interpeller ou à dire des choses qui sont fausses sans même écouter ce qu'on a à vous dire, soyez un tout petit peu plus mature avant de raconter des conneries, quoi. Voilà, ça c'est juste ça en fait. D'accord? Premièrement. Deuxièmement. Il n'y a pas de sujet d'argent, c'est juste des haters, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, donc moi je vais vous décoder leur plan. Ils créent donc des fausses adresses mail, en fait, derrière, on va dire, sur des pays qui ne sont pas les nôtres, foutent le bordel et par la suite, essayer de se faire justice eux-mêmes. Parce que, bien entendu, Discord a des failles de sécurité, on l'a vu. Puisque, pour certains, j'en ai entendu, donc, sur ces dernières 24 heures, qu'ils n'étaient pas au courant que des serveurs pouvaient être raids depuis l'extérieur. Eh bien, si. Mais, pour ça, il faut des logiciels bien spécifiques. Et pour ça, le problème, c'est que certains ne veulent pas rogner sur leur propre sécurité des serveurs. Alors, bien entendu, avec le serveur FTNL et bien entendu avec Red Protect, bien entendu, puisque les deux travaillent unanimement de leur côté, on a décidé de verrouiller la vis et on a décidé de ne pas laisser faire et de ne pas laisser agir. C'est-à-dire qu'avec FTNL et avec Red Protect, nous avons le support H24 en contact avec nous et nous pouvons appeler à n'importe quel type de moment un superviseur de ces deux réseaux de protection. Enfin,
Nous avons eu l'autorisation via Twitch et nous avons eu l'autorisation finale par Facebook de bannir des gens automatiquement et de faire des reports aux réseaux d'aviation tels que IVAO, tels que VATSIM. Vous voyez, donc on a déjà énormément d'autorisations de la part de ces entreprises. C'est déjà beaucoup, vous allez me dire, mais attends, t'es pas Bill Gates? Oui, enfin d'accord, sauf que quand tu es emmerdé par des haters, par des gens cons, t'es obligé de prendre ces mesures drastiques. Alors ces mesures, je suis bien conscient qu'elles en sont dures, j'en suis bien conscient qu'elles en sont contraignantes, mais on est obligé d'en arriver à là pour répondre aux gens. Maintenant, j'ai aussi entendu dire que le hacking qui avait été fait sur le serveur que je connaissais est de ma faute. Alors j'ai envie de répondre, pas du tout. J'ai envie de répondre que les gens qui me jugent derrière leur putain d'écran de téléphone ou de smartphone, là je vais être cru dans mes mots, j'en ai plein le dos. Honnêtement, je vais finir par faire une chose, bloquer ces gens. Je vais finir par les bloquer. C'est-à-dire qu'au moins de faux pas de travers, ça dégage. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas comme ça que tu vas faire connaître ta chaîne. Oui, mais c'est en proposant du contenu de qualité et c'est en faisant comprendre aux gens que je ne suis pas quelqu'un à problème et qu'il n'y a pas de différence d'argent ou ceci ou cela, que la chaîne continuera de fonctionner. Bien entendu, on m'a aussi dit que le raid qui avait eu lieu sur le serveur externe au mien, soi-disant j'en étais responsable. Les règles de Discord sont très claires. Vous êtes responsable de vos serveurs et de l'utilisation même de Discord. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais en termes de bilan en fin d'année de l'année dernière. Les gens, si vous voulez pas que Discord devienne payant et se retrouve comme Slack, arrêtez de faire vos putains de conneries. Arrêtez de créer des serveurs, arrêtez de bannir des gens inutilement, sans raison valable et sans raison apparente en fait. Arrêtez de vouloir cacher la vérité, arrêtez de vouloir jouer au plus fort que tout le monde et grandissez dans vos têtes. Soyez matures, soyez un petit peu plus intelligents que les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire. À un moment donné, moi j'en ai marre de devoir m'expliquer et de devoir faire des messages en plein vol, comme je le fais là actuellement entre l'event entre Rio et Dublin, et devoir expliquer aux gens les choses. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Bon, aujourd'hui, je sais voler, je sais aller à l'international et je sais vous proposer du contenu de qualité. C'est bizarre. Enfin bon. Donc, très clairement, pour terminer sur ce point, et sur ce message vidéo en vol, très clairement, mon staff, et je vais le dire de manière très claire, mon staff n'est pas tenu pour responsable de ce qui se passe en dehors sur les réseaux d'aviation, tels que IVAO, tels que VATSIM, et tels que Discord. C'est-à-dire que les serveurs qui se sont fait raid ou qui ont subi un raid ou une attaque informatique, vous devez contacter le support Discord et vous devez re-regarder la sécurité des serveurs. Quand je dis ça, parce qu'il y en a pour certains qui vont interpréter que parce qu'ils pensent que ça va être que c'est moi qui ai hacké les serveurs, pas du tout, d'accord? Donc, très clairement, je vous invite pour certains à regarder sur YouTube ce soir, à la sortie de cette vidéo, ou voire demain, à ce que vous regardiez comment on raid un serveur sans être admin. Vous allez voir que ça fait froid dans le dos et vous allez voir que Discord ne communique pas du tout sur cette affaire. Et que pour autant, nous, si on a décidé de prendre ces mesures et d'installer le serveur FTNL, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. Donc, si vous voulez, ces 5 étapes contraignantes sur mon serveur montrent quoi ? Montrent que nous, on se sensibilise par rapport à la sécurité de vos données, par rapport à la sécurité des utilisateurs et par rapport à la chaîne, en particulier sur YouTube, Twitch, ainsi que sur mes réseaux sociaux. Voilà. Nous, on se laisse pas faire par rapport aux youtubeurs qui font des placements de produits parce qu'on se rend compte que quoi, la sécurité de leur serveur, c'est peanuts, à côté de la mienne, c'est peanuts. Et que nous, on est vraiment obligé de prendre ces mesures drastiques, contraignantes. Mais elles fonctionnent, certes, il y a moins de monde, mais elles fonctionnent. Et c'est là où on se rend compte, et c'est hier où j'ai entendu une personne qui s'appelle Flo Pilote, je crois, qui me disait... Oui, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais. Bah oui, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, je suis désolé, j'ai le droit de poster du contenu de qualité et de dire la vérité aux gens et de leur dire, bah voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Sans ça, les gens, en fait, je me suis rendu compte qu'actuellement, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme les réseaux d'aviation, ils sont là à cacher la vérité. Voilà. Donc, encore une nouvelle fois, pour bien
résumer la chose, mon serveur n'est pas responsable des agissements externes, mon staff non plus. J'invite les serveurs qui se font raid à contacter Discord Assistance, à arrêter de me porter des choses sur le dos, et à ce que les personnes qui m'ont banni à tort, et ça ce message s'adresse à certaines personnes qui vont se reconnaître, j'aimerais que le lever de bannissement soit effectif dès le début de cette année, donc dès la sortie de cette vidéo qui sera certainement cette nuit. J'aimerais tout autant des excuses, mais vraiment des excuses. Pas des petites excuses en l'air. Non, 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 non. Des excuses écrites. D'accord. Où vous rendez compte de vos conneries. D'accord. À un moment donné, c'est bien beau de vouloir dire ah oui, mais il est comme ci, il est comme ça, c'est toi qui es comme ci, c'est toi qui es comme ça. Non. Apprenez à me découvrir en vrai et arrêtez de me juger derrière vos putains d'écran d'ordinateur. D'accord. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une personne qui vous montre les choses. Voilà. J'espère que ce message aura été compris et j'espère ne pas avoir à me rejustifier à nouveau et à refaire de communiquer. Voilà, en espérant que tout ce message aura été compris et je vous dis à tout à l'heure sur l'arrivée sur Grande Canaria. De descente, on va rappeler le contrôleur. Ok, flight flight level 430 after Odigi Okay, we are at house people 1787, ready to start descent at 150. Thank you. Allez, on descend. Donc là, on descend par 1700 pieds minute. On descend vraiment doucement. 2455, hasta luego. Agaria 24-55, adios, à service. Donc on a toutes les informations, et eh bien le briefing checklist est terminé, et donc je vois pas de problème particulier à noter. Un ton plutôt correct sur l'arrivée, INL 03, et puis bah, on a toutes les informations pour faire notre approche sereinement. Et on descend, flight level 150. L'approche, 124. Canary approach, good evening, this is Bebo 1787 with you, passing flight level 150 to flight level 130 for Remke. Speed 1787, radar contact level 150. Expect ILS L'approche with 03 left. Continue descent 1190. Ok, continue descent 90, speedboat 1787. 90, c'est parfait. On va faire auto break. On va faire les 0 frein pour réduire. Vous êtes 6 en moyenne, bonsoir à tous, bien sur la carte ici. Orano est là, donc vous voyez, c'est la même chose. Donc l'avion qui progresse ici, Orano, et on va s'établir en fait après Orano. Et en fait, après Orano, ça sera une ILS approche, d'accord. Donc là, je vais réduire ma vitesse par conséquence. Voilà. Il y a un examen en cours sur Denver, a priori, aux États-Unis d'Amérique. Et on est établi. On n'est pas encore établi, on n'a pas encore GS. Voilà, là on va pouvoir le dire. Speed 1787, establish one way 0 speed left.
1787, contact tower 118 decimal 3, safe landing. 118 decimal 3, safe landing, bye bye. Grand Canary Tower, hello, good evening, speedboat 1787, with you, final approach, 0 speed left, establish. 1787, hello, continue approach number 2. We continue approach number 2, and we have a traffic Whiskey Lima Sierra 170. Alors, c'est en région montagneuse. Oui, j'ai vu. Je vais faire get down. 1787, wind 040 degrees, 16 knots, runway 03 left, clear. Clear to land, 03 left. Ça c'est normal, le train n'était pas sorti. Et là il est. Cabin crew, please prepare for landing. Il est 21h06. On est un peu dans les temps, hein, c'est bien. Pas trop tard. Donc là vous voyez au loin donc les deux lumières, une à gauche, une à droite. Je sais pas si vous les voyez au loin, ça se voit peut-être pas sur le direct, mais vous avez voilà dans les nuages, vous avez donc dans l'axe, pour l'instant je vais arrêter de zoomer parce que on voit rien. Et passant ce nuage, voilà. Donc vous voyez au loin les lumières de papy, là-bas au loin, la 03 gauche, la plus à gauche, 03 à droite, la plus à droite. Ça paraît logique. Et donc là, en fait, on va se fier aux lumières papy. Deux blanches pour deux rouges. On est parfaitement dans l'axe et dans le plan de descente. C'est parfait. Et on est en glide. C'est parfait. Et bien voilà. Et bien, c'est parfait. Allez, landing. Allez, landing checklist. Auto throttle is off at 500 feet. Autopilot is off, donc ce sera après. Les reverse, speed break up, full below 70 knots. Les reverse thrust disengage, auto brake setting is off. Ok, eh bien on est parfait. Il y a un petit peu de turbulence dû au précédent trafic. Pas d'avion sur piste. Je vais quand même. Oula. Je vais quand même vérifier le temps que ça sera actualisé sur l'appli parce que c'est un peu long. C'est l'application VATSCAN. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autre trafic en vue. Pour le moment. Tu t'asnes? De blanche, de rouge, vous voyez, le plan de descente est encore parfait. Donc c'est ça, apprendre à piloter aussi, c'est faire les événements, je l'ai dit. Et savoir les faire et les exécuter correctement. Ça, c'est deux choses bien différentes. Landing checklist est fait. Land 3, continue. Alors, il y a un peu de vent, 14 nœuds, de travers. C'est pour ça, on arrive en crabe visiblement, c'est pour ça que vous le voyez. On arrive en crabe, il y a 14 nœuds. Il n'y a pas d'avion, c'est bien. Mine, 1000. Comme le ciel est clair, on pourra en faire une remise de gaz si besoin est. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'indication de TICAS. On est long 3 encore.
vachement de vent quand même, il y a 14 nœuds, j'aurais pas pensé hein, sur une île comme ça, mais... Gran Canaria approximation, muy buenas noches, Norwegian 8521, prueba de micrófono, por favor. 500. Norwegian 8, corrección, Norwegian 8521, les recibo 5. Approaching minimums. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Et c'est parfait, moins 138. Reverse. Et on dégage cher à 2. Grand Canaria approximation. Norwegian 8521. Solicita autorización IFR para Málaga. Norwegian 8521, autorizado a Málaga, vía salida Coral 8 Alfa, pista 03 izquierda, inicial 6000 pies, responda 1401. Towards speedboat 1787, one way 03 left is vacate, CR2. Speedboat 1787, welcome to Gran Canaria, taxi to stand 2, correction, Tango 8, correction, Tango 08, via Foxtrot and Romeo 12. Foxtrot, Romeo 12, Tango 8, speedboat 1787, for the stand, thank you. Alors, Foxtrot, eh ben, c'est celle-là. 521, salida 8 alpha, pista 03 izquierda, altitude initiale 3000 pieds, squawk 1401. Norwegian 8521, confirme salida coral 8 alpha, e inicial 6000 pies, 6. 6000 pieds, salida coral 8 alpha. Norwegian 8521. Alors, Norwegian 8521, con la 5 correcta. 1025. Oula, la connexion. 1205, Norwegian 8521. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Gran Canaria, pardon, Rio, tant pour moi, bienvenue à Gran Canaria, il est 21h11, température de l'ordre a priori de 20 degrés. Donc on continue à rouler sur Romeo 10 maintenant, on a quitté Foxtrot et donc voilà. Voilà ce qui marque donc la fin de ce premier event de l'année 2021. On va rouler doucement puisque c'est 20 nœuds maximum au sol. Alors Tango 11, je vais mettre un tout petit peu plus de jus. Mais pas trop. Tango 10. Tango 9. Et c'est la prochaine. Tango 8. PNC, dernier virage. Gran Canaria approximation. Me puede confirmar el 1401 de Squawk, Norwegian 8521. Norwegian 8521, se afirma. Decidido, Norwegian 8521, gracias. Tango 8, ce sera notre porte de départ de demain, à destination de Dublin. Ok, parking break 7. J'éteins toutes les lumières.
Et bienvenue à Grande Canaria. Je vais laisser dans quelques minutes ces